Bon, au pire, je vais laisser des mutes. Qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est taille, voilà! Mais à ce tarif-là, les gens qui touchent le RSA seront moins payés en salaire horaire que les smicards. Mais à ce tarif-là, les titulaires de RSA ne seront pas condamnés à rester au RSA toute leur vie. Ils auront la perspective qui est la nôtre, qui est celle d'Emmanuel Macron, qui l'a défendu dans toute sa conférence de presse, le plein emploi. Imaginez-vous, Gigolo, un demi de la France n'a pas connu le plein emploi. Nous avons la possibilité, sur la base des résultats de l'emploi, de prendre quelqu'un en train de temps en l'air. Nous avons des résultats sur l'emploi. D'arriver d'ici 2022 à 5%. Tu m'as coupé ça tout de suite. C'est-à-dire un niveau qu'on a obtenu depuis. Voilà. Est-ce que la part des Français en général et leur pouvoir d'achat de qu'allez-vous faire concrètement pour le pouvoir d'achat des Français dans, disons, dans les 5 mois? Non, mais s'il te plaît, là. D'ici l'été. La première chose, c'est le travail. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail. C'est la rémunération. C'est le salaire qui, comme chaque mois, vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation, vos déplacements. La deuxième chose, c'est de maintenir les dispositifs que nous avons mis en place. J'arrive. De l'électricité et du gaz. Ça, c'est des dispositifs qui sont puissants. Le prix du déjeuner, il le sera jusqu'à la fin de l'année. Les prix de l'électricité sont plafonnés à 4%. Tous les Français qui nous écoutent savent très bien que leur facture aurait dû augmenter de 40% et que grâce